Salut toi, tu vas bien? Voilà, c'est week-end, c'est Daily Ops. Le retour, mine de rien, j'ai triché un petit peu. Bon, d'abord, j'en ai produit beaucoup moins qu'à l'habitude, forcément, puisque je circule beaucoup moins qu'à l'habitude. Et puis, j'ai triché en te partageant des images de ma tendre épouse ou auprès de ma selle. Bon, c'était l'occasion de voir des mesdames rouler aussi. On est samedi dernier, là, après mon live du samedi. Et puis on est parti se balader, rouler pour rouler, pour se faire plaisir, voilà. Reconnecter un petit peu les enfants, à leur vélo aussi. Ils en ont fait moins que d'habitude cet hiver. Ça s'explique, hein, tout simplement parce que je me sentais pas, circulant juste avec la main droite posée sur le guidon, de manière un peu précaire. Je me sentais pas de les encadrer, voilà, jusqu'alors. On va passer derrière les piétons, on a un panneau pour passer. On passe derrière les piétons, on y va. Ouais, faut faire attention. Désormais, je commence tout juste à poser ma main gauche, par petite période, mais de plus en plus longtemps sur le guidon. Donc, bon, bref, voilà, c'était la petite explication. Hein, tu serres pas trop les voitures, attention les portières, ma belle. Donc on reconnecte nos enfants au vélo, tranquillement, avec les beaux jours, comme la majorité des Français finalement. Et donc on va chercher les bords de Seine par la rue de Pontoise pour descendre au pont de Bezons. C'est ce point noir habituel, vraiment pénible devant un gros concessionnaire auto, tous ces véhicules qui sont garés sur une piste, donc à la largeur classique d'une piste, mais dont le trottoir adjacent est minuscule. C'est-à-dire qu'on a donné trois quarts de la place aux cyclistes et puis on a laissé un quart aux piétons. Donc évidemment, ça passe pas et ça crée du conflit d'usage, alors que ça ne devrait pas. Tous les gens qui passent par cette rue de Pontoise voient très bien le tableau, hein, c'est quotidien, dès que la boutique est ouverte. Moi, je suis assez protégé par ça dans mes horaires du matin parce que je pars très tôt et que la boutique est jamais ouverte à cette heure-ci. Mais là, c'est pénible. Et puis, pour couronner le tout, en plus, c'est une piste sur trottoir qui se trouve être obligatoire. C'est gentil la sonnette, c'est pas agressif. Une chose qui ne devrait pas arriver dans cette configuration-là. Mais bon, on a considéré que la deux fois deux voies n'était pas accessible aux cyclistes. Pour mémoire, c'est à partir de trois voies, selon le code de la route, Et attention aux piétons, ils regardent pas où ils vont. qu'une piste devient mécaniquement obligatoire. Pas deux, en l'occurrence, en ville. J'insiste là-dessus parce que c'est bon, ça n'a rien à voir avec mes enfants là. Évidemment qu'on est sur la bande cyclable sur trottoir avec tous les conflits d'usage qu'on peut connaître. Je ne serais pas allé sur la chaussée, mais considérant le nombre faramineux de cyclistes qui descendent cette avenue tous les matins, certains ont un profil assez véhiculaire et ont tendance à rouler très fort. Pourquoi leur interdire la chaussée? Surtout quand c'est en plus des heures où de toute façon tu remontes les bouchons systématiquement. Et puis en étant en ville, la vitesse est limitée. Bon. Bonjour, c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut? C'est bon? Impeccable. Je vous en prie. Je conteste pas du tout l'opportunité de faire des pistes, au contraire, c'est vital et il faut le faire. Mais là, bon, c'est pas une piste, c'est une petite bandelette sur le trottoir. Donc déjà, c'est relativement mal fait. Voilà, on n'est pas dans du bâti vraiment sérieux. Mais de là à venir interdire la chaussée aux cyclistes en ville, j'ai du mal à comprendre. Et surtout à l'accepter. Pour rappel, le vélo est un véhicule et considéré comme tel par le code de la route. Donc à ce titre, sa place est absolument légitime sur la chaussée, de toute façon. Fortiori en ville, quoi. C'est limité à 30, c'est limité à 50. Il n'y a pas de raison d'aller leur interdire la chaussée. Bref, voilà quoi, c'est l'exemple typique d'une situation ubuesque où un préfet ou un maire a décidé de rendre obligatoire une piste qui normalement ne l'était pas de conception. Et un cas de figure où on retrouve des véhicules garés sur cette piste et un trottoir qui fait 15 cm à droite pour contourner, c'est assez ridicule. J'insiste là-dessus, hein, voilà, c'est théoriquement, selon le code de la route, à cet endroit-là, la piste n'est pas obligatoire. Hors décision exceptionnelle du pouvoir investi de police, voilà. Et on est dans l'exception, hein. Et à nouveau, je redis ce que j'avais déjà dit moult fois dans mes Daily Ops, en France, les pistes cyclables ne sont
pas obligatoire de base depuis le millénaire précédent. Si tu es automobiliste et que tu fais partie des gens qui ragent en disant « Ouais, les cyclistes, pourquoi ils sont sur la route ? Parce que y a une bande à côté. » Et ben voilà, exactement pour ça, par exemple. Moi, si j'étais passé tout seul, si j'avais été en forme et j'étais avec mon vélo de route, mon vélo de route, c'est un vélo de route, c'est pas un vélo de trottoir. Donc, j'ai rien à foutre sur le trottoir. Même s'il y a une piste cyclable, c'est pas un vélo de piste cyclable non plus, d'ailleurs. Et je parle de ça parce que cette rue Pontoise, là, à l'époque où on n'était pas besonnés, c'était mon passage... Mon passage typique pour aller chercher le Vexin, pour aller rejoindre les bords de Seine et remonter à Conflans-Sainte-Honorine, c'était exactement par là que je passais. Évidemment que j'y allais sur la route. D'ailleurs, je resquillais. Je ne savais pas que cette piste était obligatoire à l'époque. Parce qu'il y a des panneaux ronds sur la piste, mais qui est sur le trottoir, sur le côté. Mais quand tu es sur la route, il n'y a pas de panneaux interdisant les cyclistes sur cette chaussée. Donc, bon. Hormis sur le pont de Beson, où là, c'est effectivement, c'est deux fois trois voies. Et il y a une piste de chaque côté, donc mécaniquement, elle devient obligatoire. Anyway, on se retrouve sur cette magnifique voie verte, ce chemin de halage, qui se trouve être en fait intégré parfaitement à l'itinéraire la fameuse Paris-Londres. Donc, alors, plus ou moins aménagé suivant les endroits, mais on est sur la mythique Paris-Londres. Et on a décidé donc juste d'aller rouler, de profiter de la douceur. Alors, en partant, j'ai dit aux enfants, les sweats et les gilets, c'est peut-être pas la peine, vous savez. Moi, je suis parti en t-shirt directement. Je dis oui, on va mettre. Bon, ouais, c'est... ils n'ont pas duré longtemps sur les épaules, les sweats. À un moment, il a fallu qu'on s'arrête pour les enlever et puis les mettre dans ma grosse sacoche que j'avais prévue justement pour recueillir. On va parler un peu plus précisément des enfants, là. Ça fait un moment que je papote. Donc notre aîné, appelons-le Babylouk, hein, qui croise désormais un vélo d'adulte qui est un des vélos de sa mère, en fait. Donc c'est un Cannondale Quick Speed 3 Nexus 8. Pour info, j'avais exactement le même. Hein. À une époque, avec Bilouquette, on roulait tous les deux avec ce vélo. Pour nos balades, pour le vélo taf en ce qui me concerne. C'est un super vélo, alors c'est un fitness, hein, ce qu'on appelle un fitness, donc c'est une morphologie de vélo de route, mais avec un cintre droit de VTC, enfin un peu plus court d'ailleurs, enfin elle avait raccourci son cintre en plus. Et c'est un vélo qui est super léger, c'est super véloce, je l'appelais mon vélo Dan, mais il est très très véloce, et puis il a beaucoup, beaucoup de rendement parce que tout en alu, avec une fourche droite en alu, autant dire que quand tu appuies sur les pédales, pan, ça part, quoi. C'est vraiment... Donc, ça lui a radicalement changé sa vie à notre fils, parce que jusqu'alors, il était sur un 24 pouces, jusqu'à il y a un an, en gros. Un 24 pouces enfant, c'est le dernier stade, c'est la taille des roues, le 24 pouces. Et c'est le dernier stade avant le vélo d'adulte. Et puis voilà, on est passé directement sur un 700, même pas eu besoin de passer sur un 26 pouces adulte. Ça lui change complètement la vie parce que le vélo fait juste pratiquement 10 kilos de moins que son 24 pouces qu'il avait précédemment. C'était un Décathlon, mais qu'on lui avait choisi tout équipé. Alors il y avait cette satanée fourche suspendue à l'avant qui a rajouté 3-4 kilos déjà. Mais par contre, il était tout équipé avec garde-boue, porte-bagages, lumière fixe, dynamo moyeu, béquille, enfin la totale. Un vélo pas d'excuse pour lui pour aller à la gym deux fois par semaine à Vincennes, c'était super. Mais incroyablement lourd, à chaque fois que je manipulais ce vélo, je me disais « mais c'est fou, il est deux fois plus lourd que mon propre vélo ». C'est le problème qu'il y a actuellement sur le segment enfant, dans le vélo et particulièrement dans la grande distribution de sport, hein, comme Decathlon ou autre, hein, c'est un peu le même cas partout. Il faut vraiment monter en gamme pour avoir des vélos où on retrouve, nous, personnellement, le poids de nos vélos qu'on avait à cet âge-là. C'est-à-dire des vélos quand même beaucoup moins lourds, parce qu'il y a un rapport totalement délirant entre le poids du vélo et le poids de l'enfant. Et en plus, si tu lui colles une fourche suspendue qui va s'écraser dès que ça monte, le pauvre, déjà, le vélo est super lourd, mais en plus, il va tout perdre son rendement dans la fourche au lieu de grimper la côte, et c'est juste la fourche qui va s'écraser. Donc voilà. Et Babylouquette, elle, de son côté, elle est particulièrement petite. Donc elle est toujours sur son petit 20 pouces. Elle est en 6e, hein, au collège, mais voilà, 11 ans, mais elle est toujours sur son 20 pouces. Et c'est encore trop tôt pour un 24. Malheureusement pour elle, et heureusement quelque part, parce que du coup, c'est plus léger qu'un 24. Et le sien est quand même, on avait senti le vent venir, on lui avait pris vraiment un vélo alu avec fourche-acier cintré. Et donc du coup, ça fait un vélo qui n'a pas un poids totalement délirant. Mais c'est quand même lourd, hein, c'est quand même lourd. Là, son petit 20 pouces, il est quand même nettement plus lourd que le 700 de son grand frère, qui est pourtant plus grand. C'est délirant.
Et puis au-delà de ça, donc c'était, je disais, hein, j'ai les reconnectes vélo à ce moment-là. Ils n'avaient pas fait de vélo de l'hiver, voilà, tout simplement, parce que je ne pouvais pas les accompagner. J'avais pas la capacité physique de les accompagner, et puis j'étais pas en confiance. J'étais vraiment pas tranquille. Il faut quand même, le sentir. Hein, si t'es pas en confiance quand tu, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. C'est très personnel, mais moi, personnellement, si je suis pas en confiance pour emmener mes enfants sur un itinéraire et tout ça, où je sais que j'aurai pas la vélocité nécessaire pour en rattraper un ou une, ou tout simplement la tête partout et pouvoir être à l'aise sur mon guidon pour pouvoir tourner la tête en permanence pour gérer et chercher mes enfants, et puis les guider, leur parler tout le temps, leur répéter des choses que je leur ai répétées un million de fois. Mais voilà, ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas roulé sur leur vélo, et en ville non plus, donc c'est toujours bien de répéter. Ça me rappelle cette institutrice, quand il rentrait en CM2, qui disait, bon ben voilà, vous savez, vos enfants... ça fait 2 mois et demi qu'ils étaient en vacances. On est début septembre. Et ils sont tous des idiots. Ils sont tous des neuneux. Ça m'avait marqué. C'était culotté de dire ça comme ça. Mais c'est un peu ça aussi avec le vélo. Évidemment, ils savent toujours monter sur un vélo. Mais toutes les règles comportementales et tout ça, c'est pas acquis pour toujours chez un enfant qui n'a pas fait de vélo depuis 4 mois. Et on oublie des petits automatismes ou des petites règles, ou des petits comportements, des anticipations comportementales par rapport aux piétons, justement, sur les trottoirs partagés avec les piétons. C'est toujours bien de le rappeler. Et moi, je leur rappelle beaucoup. Alors, je les saoule un peu, d'ailleurs, mais bon. Enfin, je le fais gentiment, je les agresse pas. Bon, alors, cette passerelle dont j'étais incapable de trouver le nom, elle est magnifique, elle est sympa, et puis elle permet de traverser un brado, et puis bon, c'est conçu de manière assez sympa quand même, avec toute la partie piétonne, et puis cette petite rampe sur laquelle tu peux porter ton vélo, sauf que là, c'était la grosse galère, parce que voilà, et typiquement, quand t'as un vélo qui est beaucoup trop lourd par rapport à ton propre poids et ta force, et au bout de longues secondes, c'est ton grand frère qui vient te filer un coup de main et te monter avec ses gros bras, ton vélo, parce que tu galères, parce que mine de rien c'est très en pente à cet endroit là donc voilà, c'était dur pour elle, et puis en plus c'est le mauvais côté, le côté gauche, côté droitier, t'as l'habitude, ton vélo, en général tu le pousses à ta droite et pas à ta gauche, donc un petit problème de mise en main et tout ça, puis elle était un petit peu empotée sur ce coup là aussi, elle faisait pas trop d'efforts. On va parler un peu de la balade aussi, c'est quand même super sympa, hein, tu vois, à tel point c'était fréquenté, donc c'était samedi dernier, le dernier samedi du mois de mars 2019. On avait une douceur incroyable, pas ou peu de vent, un petit peu quand même, si ça soufflait un petit peu. À ce moment-là, on l'avait dans le museau d'ailleurs. Mais bon, et puis on roulait vraiment hyper paisiblement, parce que notre petite fille, elle roule hyper paisiblement, en mode princesse, hyper digne. Alors, par moments, je lui parlais, je lui disais, si tu veux, tu mets le plateau un peu plus grand, et puis on va avancer un peu plus, si tu veux, hein, parce que voilà, on a ramené du 13 de moyenne, quoi. Mais ça l'intéresse pas. Non, elle me disait, non, je suis à mon rythme. Elle a pas envie de se mettre en condition d'effort, voilà. Elle veut rester sur le plaisir, elle a pas envie de s'essouffler, d'être fatiguée. Donc, elle est vraiment pure sur l'efficacité, tu sais, ce moment où, sur ton vélo, tu sais que tu seras jamais fatigué, tu pourras aller très loin, parce que tu respectes ton rythme. Et ça, elle a bien intégré son rythme. Ça fait rouspéter son grand frère qui me disait, mais on va ramener 7 de moyenne, c'est pas possible. Bon, voilà. Ça, c'est des petits conflits. Donc, je résous ce problème en l'emmenant lui aussi rouler occasionnellement seul avec moi. Comme ça, il peut mettre sa dose. Parce que lui, il adore faire des pointes de vitesse. Il adore regarder le compteur, savoir à quelle vitesse il tourne et tout ça. Voilà. Là, on voit bien tous ces panneaux de la fameuse Paris-Londres, hein, voilà. Avec Paris dans une direction et Londres dans l'autre. Voilà, c'est tout droit. Faites-vous plaisir. Faudrait qu'on en fasse un peu plus. Et là, il a très très envie d'y aller, notre aîné. Mais très envie. Il a envie qu'on charge des sacoches et qu'on aille jusqu'au bord de la mer, qu'on prenne le ferry et qu'on continue jusqu'à Londres. En mode super enthousiaste. Ah, je sais pas, faudrait qu'on regarde. On fait une rando sur plusieurs jours. Voilà. Ouais. Et on va à Londres. Ça pourrait être super bien. Mais carrément, bien sûr. Et après, on rentre dans les...
Bon, on va se décider un jour à le faire, ça. Mais voilà, j'aimerais bien que notre fille soit un peu plus grande, qu'elle ait un vélo un peu plus adapté à faire de la distance et tout ça. Là. Parce que même en termes de géométrie, son vélo, c'est pas du tout adapté à rouler tous les jours. Puis c'est trop lourd, c'est trop fatigant, ça va trop solliciter ses articulations. Alors, il s'agit pas de faire 100 bandes par jour avec les enfants, quand même. Mais voilà. Et après, il y a des petites douleurs posturales qui arrivent avec ce genre de vélo qui... Tu peux pas, par exemple, c'est pas possible de régler la bonne hauteur de selle par rapport à la fameuse règle qui dit la selle est à la bonne hauteur quand les pieds touchent le sol. Bah, sur ces vélos enfants, tu peux jamais arriver à une vraie position où t'as la jambe quasiment tendue, mais pas totalement, c'est important. Tels qu'ils sont conçus, il y a un gros conflit entre les pieds touchent le sol et la selle est à la bonne hauteur. Et puis bon, en plus, suivant où est passé le boîtier de pédalier, en plus, c'est pas, voilà, on n'est pas sur des positions qui sont vraiment adéquates à du vélo un peu plus poussé que le vélo loisir de base pour aller se balader comme ça le week-end. Voilà. S'il s'agit d'avoir un vélo pour tailler un peu plus la route, c'est pas ce genre de vélo qu'il faut prendre, c'est clair. Il faut aller taper plus chez des spécialistes, enfin chez des vrais fabricants de vélos adaptés à l'usage un peu trekking et un peu balade au long cours, tout simplement. Je dis ça, c'est important, hein, parce que voilà, là, c'est très bien, elle est à peu près à l'aise sur son vélo, mais bon, voilà, il y a des petites douleurs qui arrivent sur le dos, dans le bas du dos et tout ça. Pas spécifiquement elle, mais son frère, quand il avait le même vélo de même taille de roue et de cadre, c'était ça. On faisait des grandes balades de 50 km et on était vraiment à la limite pour lui, où ça devenait un peu douloureux, les douleurs apparaissaient. Parce que le vélo n'était pas adapté à faire une telle distance. On arrive gentiment sur la fin de Nanterre, juste avant Rueil-Malmaison. Ça s'urbanise un petit peu, mais ce sera pas long. Ce sera pas long, mais c'est très fréquenté. Hein, c'est vraiment là, on est. Ça nous a rappelé nos bords de Marne qu'on affectionnait tant et où on allait rouler tellement souvent. Bon, avec un petit peu moins le côté là en ce moment, le mois d'avril, les bords de Marne, mars-avril, c'est on est dans l'étoile de Monet, c'est de la poésie avec les cerisiers en fleurs et tout ça. Ici, ça l'est un petit peu moins, mais ça l'est quand même vachement sympa. Et donc on vise le pont de Chatou, hein, le premier pont finalement où on peut traverser depuis le pont de Beson, nous personnellement. On a vu des viaducs où passent des trains ou des autoroutes hein, sur le chemin, on est passé en dessous. Mais pas encore de pont où on peut passer, où il y a une piste ou un trottoir ou une chaussée sur laquelle on a le droit de circuler, hors autoroute. Et mine de rien, ça fait une petite balade, ça fait 8 km. Hein. Ça explique aussi, ça explique pourquoi le pont de Beson est aussi engorgé. Hein. C'est que dans ces endroits, dans cette région des méandres de la Seine, là, sur ce tronçon particulièrement, la Seine est très large, donc il y a peu de ponts, parce que j'imagine que ça doit coûter excessivement cher comme ouvrage. Donc du coup, le pont de Beson, il en fait les frais, parce que voilà, c'est un des seuls gros ponts du coin. Et puis après, c'est le pont de Chatou. Voilà. Et le pont de Beson est encore plus gros, avec deux fois trois voies. Et puis bon, avec les entrées sorties de la 86 en plus, tout s'explique au niveau du peu de ponts qu'il y a dans cette région par rapport au nombre de véhicules qui cherchent à se déverser de l'autre côté, de part et d'autre de la 86. On est sur la partie cyclable du pont de Chatou. La première fois que je l'avais pris, je ne l'avais pas trouvé. J'étais passé sur la chaussée en serrant les fesses, j'étais pas bien. Bon, c'est la partie cyclable, mais il y a aussi quand même pas mal de piétons. On ne leur emporte pas, on les embête pas avec ça, il n'y a pas de souci, ils ont parfaitement leur place. C'est un pont, c'est un trottoir, c'est une piste sur trottoir, bon voilà, dont acte. Puis c'est super sympa, donc on est passé, il y avait l'île des impressionnistes sur notre gauche. On est aussi un petit peu dans la carte postale et le mythe de la région, voilà. Et puis Chatou, moi j'adore arriver à Chatou par le pont où tu vois cette magnifique petite église là qui trône comme ça en hauteur. Et donc un petit peu de quai et puis on va arriver sur cette fameuse Chaussidou que je t'avais présentée dans ma Daily Ops, je dis pas de bêtises, la 43 ou la 44, où j'avais fait un trajet retour de vélo taf, où je sortais justement des sentiers battus et où j'avais découvert cette alternative. Hein, ça, là, toute cette partie où on se situe là, c'est un de mes trajets vélo taf potentiels, possibles, qui me rallonge d'à peine 2 km, mais qui me fait passer par les hauteurs de Saint-Cloud, où c'est magnifique, j'ai une vue superbe de part et d'autre, un côté sur la vallée parisienne, le bassin parisien, on va dire, enfin Paris, la Tour Eiffel et tout ça, le bois de Boulogne, où tu vois...
Tu vois Paris avec en amorce le bois de Boulogne, donc c'est très vert, c'est pas commun comme point de vue. Et puis ensuite, tu redévales de l'autre côté par justement Rueil-Malmaison. Et tu arrives à Chatou, et là, cette chaussée doux, donc chaussée à circulation douce, il n'y a matérialisé au sol que une voie pour les voitures, alors qu'elles peuvent circuler toutes les deux dans les deux sens, mais avec des bandes cyclables de part et d'autre. Et donc, comme c'est une voie de circulation douce, les cyclistes sont prioritaires sur la piste, et quand ils sont amenés à se croiser, ils attendent que les cyclistes soient passés, et ils sont autorisés à venir chevaucher la bande cyclable, soit d'un côté, soit de l'autre, pour se croiser. Enfin, mécaniquement, des deux côtés, à ce moment-là, d'ailleurs, parce que les deux voitures vont se déporter. Mais c'est sympa, puis c'est quand même assez rare, hein, en région parisienne, les chaussées doux, pour être filmées et présentées en vidéo. Ce chemin de halage, alors, on a fait un aller-retour, hein, tout simplement, une rive à l'aller, une rive au retour, voilà, histoire de pas passer par le même endroit. Ce chemin de halage est beaucoup plus, on va dire, sauvage, hein, et moins aménagé que de l'autre côté, où c'était beaucoup plus large, et avec un gravillon, enfin, un gravier sableux assez trompeur d'ailleurs. J'avais capturé une cycliste qui avait raté un virage et qui s'était mis au tas. Mais voilà, ça permet vraiment de varier tout simplement les paysages et puis l'itinéraire. Voilà. Et éviter de faire un aller-retour par le même chemin, c'est toujours plus sympa et moins lassant pour les enfants. Et puis, moi je l'aime bien parce que voilà, elle est beaucoup plus verte de ce côté-là, cette petite voie verte, là, ce chemin de halage. Il y a beaucoup plus de verdure, de végétation, donc c'est moins minéral, voilà, que l'autre côté. Et là, c'est bon. Donc, du coup, on se retrouve dans des bouchons, des bouchons piétons cyclistes, avec des petits bouts de choux, là, qu'on voit bien sur leur petit vélo, leur premier petit vélo. Regarde-moi ça, c'est vraiment un tout petit bonhomme, là. C'est trop mignon, ça me fait craquer. J'entends déjà les gens en commentaire dire « Ouais, le petit beau, il a pas de casque », tout ça. Bon. Il y a fond, là, hein. Le petit bout, là. Il y a fond, les ballons. Et puis, bah, on va avancer comme ça, alors, dans un paysage qui, finalement, est radicalement différent de la berge en face. C'est assez marrant. Du coup, ça fait un parcours qui est très varié, qui est pas monotone. Et puis quand on arrive à Carrière comme ça, avec tous ces saules pleureurs, je trouve ça assez magnifique. Et puis bon, bah, c'était le point d'orgue de la balade quand même, c'était s'arrêter en bord de Seine, regarder les cygnes, les oies, les canards. On en a vu plein qui volaient au-dessus de l'eau, c'était magnifique. Et puis prendre notre petit goûter, manger des biscuits, un petit fruit, boire de l'eau et repartir. Et au moment du départ, on a choisi de... Enfin, j'ai choisi unilatéralement de repartir, non pas sur le chemin, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de piétons, mais sur la chaussée directement. Pourquoi pas? On a notre place sur la chaussée, on a le droit d'y être. Donc, il n'y a pas de lézard. Et puis, il y avait très très peu de circulation, voire pas du tout. J'ai pris un peu de retard au démarrage, j'avais oublié de redémarrer la caméra. Il a fallu que je trace pour rattraper ma petite poulette. Salut. Oui. Oui. Ouais, on me tirait le slip. Ouais. Ah bon? Ouais. C'était passion slip. Tu me le tirais, tu me le remontais jusqu'en haut du dos. En te marrant comme ça. Voilà. Exactement. Petite escrotte. Ouais, alors je sais pas s'il y a des parents entre vous qui ont connu ce phénomène incroyable. Mamie Huquette, elle avait une passion. Hein. C'était quand elle était dans le siège bébé derrière moi, donc le siège posé sur le porte-bagages. Là, elle allait fourrer ses mains. Elle me tirait le shorty jusqu'au milieu du dos. Ça l'amusait beaucoup. Bon, bref, elle se souvenait de ça, là, de nos balades sur les bords de Marne, justement, ses premières balades et tout. Il y a un truc qu'elle adorait faire quand elle était vraiment petite sur le siège bébé, c'est que. Elle voulait aller voir l'embouchure de la Marne et puis la fameuse pagode qu'il y a à l'embouchure de la Marne quand elle se jette dans la Seine. Elle m'en reparle souvent, elle a vraiment des souvenirs d'enfants qui sont ancrés autour du vélo, justement. Que ce soit en passagère ou en cycliste elle-même. C'est chouette, mission réussie. On est très contents. Le prosélytisme, ça commence aussi avec ses propres enfants. Attention le chien, toujours méfiance, toujours, voilà. Non, non, mais c'est à nous de faire attention, vous inquiétez pas. Je sentais que le chien... Ouais, il faut toujours se méfier, le chien, il va toujours exactement là où tu pensais pas qu'il aille. Et en plus, les plus dangereux, finalement, sont ceux qui ont une laisse. Parce que tu peux te retrouver entre le chien et la laisse. Et là, ça fait des dégâts.
au chien et à toi. Bah, c'est surtout que si tu te manges la laisse alors que tu es à vélo, là tu te vautres lamentablement. Ouais, c'est ce que je disais. Ça, c'est typiquement le genre de sujet que j'avais déjà évoqué au moins 5-6 fois avec lui, mais bon, c'est utile de le redire. Et il a eu une super attitude par rapport à ça, c'est qu'il a vraiment anticipé, il a géré, il a freiné dans les temps, mais en anticipation, voilà. Il a flairé la situation, c'est vachement bien. Ça fait déjà un petit cycliste avec un niveau de maturité qui commence vraiment à être... je me dis, un jour, il va falloir que je lâche quand même. J'en suis pas là. J'en parlais... J'ai rencontré un homologue youtubeur cette semaine. On a passé la journée ensemble, on a beaucoup discuté en roue libre, book. Et j'en discutais où j'étais un petit peu déçu. Il a 14 ans et j'ose pas encore le lâcher en autonomie totale dans notre coin. Je le laisse en trottis, il n'y a pas de souci. Mais à vélo, sur la chaussée, j'ose pas encore. Mais là, il montre les signes de la maturité cycliste et de la responsabilisation de son attitude. Voilà, c'est le truc super, il était passé à fond les ballons sans regarder, et puis en fait lui il adore les bagnoles, et puis alors, le modélisme aussi, et puis là on tombe sur ces petites bagnoles thermiques à l'ancienne, hein, comme j'ai pu observer moi aussi quand j'étais gamin aussi, ça me fascinait, c'est des vrais petits moteurs avec des vrais petits pots d'échappement et des vrais petits réservoirs d'essence. Bon là j'ai zoomé l'image, donc pour le 4K on repassera, mais bon si j'avais filmé en HD ça aurait été... impossible à faire, voilà. Là, on devine un petit peu ces petites voitures. Voilà, ça fait l'attraction, il y a pas mal de cyclistes qui s'arrêtent pour regarder. Ça renvoie au débat cycliste-voiture, tout ça, c'est assez marrant. C'est un coin qu'on connaît bien parce qu'on y passe parfois en balade gravel. Là, on suit le viaduc en fait et puis après on va chercher un autre petit chemin. Bon, ça fait une petite attraction, puis c'est sympa de leur part d'aller venir faire ça totalement à l'écart des habitations. C'est... Bon, c'est du sauvage de chez sauvage, mais ils sont venus construire leur petit circuit pour pratiquer leur passion du modélisme avec leur bagnole. Et puis ils maîtrisent, hein, c'est beau à voir. Voilà, donc si tu cherches à aller regarder ça et que tu es dans le coin, c'est sur le chemin de Halage qui part de Beson en direction Carrière, si tu arrives de ce côté-là, ou sinon si tu arrives de Chatou. Alors je reviens un petit peu sur l'autonomie à vélo, voilà, c'est un peu un constat d'échec pour moi parce que... Mais bon, c'est pas comparable avec ce que j'ai connu dans une petite ville au fin fond de l'Essonne, ou qui était infiniment plus paisible que Paris où ils ont grandi, ou même l'agglomération dans laquelle on se situe, où notre quartier est très paisible, c'est que les zones 30 avec des doubles sens cyclables, des panneaux de passage cycliste au feu qu'on poussait, mais de folie ces deux derniers mois, il y en a pratiquement à tous les carrefours, il y a des va tout droit, il y en a deux partout, même sur la grosse départementale qui trace vers Argenteuil, Sartrouville, Cormeil en Parisie, où... Salut, où tu vois pas beaucoup de cyclistes parce que c'est un peu le coupe-gorge, mais bon, c'est sympa, et puis ça... Même s'il y a peu de cyclistes qui passent par là, ça fait des panneaux avec des vélos dessinés et puis implicitement, enfin sournoisement, ça vient rappeler aux automobilistes que tiens, y a des cyclistes qui peuvent passer ici. Parce qu'évidemment, il n'y a pas du tout d'aménagement le long de cette... C'est dans le prolongement de la fameuse piste qu'on a pris au début, hein, mais ça continue, ça remonte, enfin dans le sens inverse, ça remonte vers le haut et puis après ça redévale. Et voilà, on est à Beson. Pour les vélos comme les murs, ça va pas nous faire plus plaisir. Ouais, voilà. Donc j'allais dire, comment tu sais qu'on est arrivé à Beson où il y a des trous dans la route? C'est comme sur la route, sur les chemins, c'est pareil, il y a des trous. C'est made in Beson. Ouais. Donc sur cette autonomie, je suis un peu déçu, mais voilà, on peut pas comparer. Évidemment que je l'aurais pas lâché. Comme moi, je sais pas, à partir de 6 ans, 7 ans, j'étais autonome sur mon vélo et je disais à mes parents, je vais voir mon copain Guillaume à l'autre bout de la ville, il y avait 2 km et puis il n'y avait pas de problème. Bon, c'était une autre époque, hein, c'était le début des années 80. Évidemment, on n'avait pas de casque ni rien du tout. C'était n'importe quoi, je circulais partout où je pouvais, les trottoirs, la rue, à contresens, enfin... c'était Woodstock quoi. Mais oui, là non, voilà, je l'ai pas encore lâché. Il est en quatrième. Je sais très bien, pertinemment, que quand il va rentrer en seconde au lycée, qui est tout en bas de Beson, il y a 1,5 km à faire à pied. Évidemment qu'il le fera soit en trottis, soit à vélo, et il n'y a aucun souci avec ça. Je souhaite qu'il le fasse à vélo, avec une bonne petite sacoche. Il sera bien.
Mais bon, et ben on en parlait justement avec en roue libre. À mon époque, les trottis à cet âge-là, c'était pas du tout répandu, mais pas du tout. Il n'y avait pas de marché en fait. Tu les trouvais pas dans les magasins, les trottis, même pour adultes ou pour adolescents. La trottinette, c'était vraiment considéré comme un jouet. Et c'était. J'ai aucune animosité contre la trottinette, c'est pour ça que je te dis ça. Mais nos enfants, nos deux enfants ont un rapport à la trottinette qui est super efficace. Si je les envoie chercher le pain, il y a 700 mètres aller, 700 mètres retour pour aller chercher la meilleure baguette de besoin. Bon, ils vont pas prendre le vélo, ils vont prendre la trottie parce que c'est plus pratique à sortir de la maison, tout ça. Il n'y a pas besoin de s'équiper, tatitata. Hop là, les deux sur la trottinette, ça fait la course sur le trottoir et puis ils sont joyeux comme ça. Ils ont vraiment. J'ai déjà évoqué ce fameux pragmatisme de l'enfant de prendre. Parce que j'ai connu ça aussi. Moi, je prenais mon vélo pour aller au collège alors qu'il était à 700 mètres. C'était ridicule, mais parce que ça allait plus vite que de marcher. Bon, ils ont ce pragmatisme aussi, les enfants. Alors, à voir, quand il sera lycéen, s'il continue à prendre une trottille, ou si c'est trop la honte, peut-être c'est la te honte, prendre la trottille au lycée, je sais pas, on verra. Et, ou son vélo, évidemment, qui s'embête pas à attendre un bus dans le froid, quand il fait froid, par exemple. Là, on le voit, le lycée de Beson, on arrive devant, c'est un gros, gros, gros bahut. Et puis, bah, donc, c'est le signal pour nous hein, de quitter le chemin de halage et puis de venir remonter dans Beson, simplement, parce qu'on arrive pile à la hauteur de notre fameuse rue Maurice Berthaud qui va nous ramener. Alors, il faut passer d'abord par une petite bidire devant le lycée. C'est la réapparition des feux tricolores pour nous. Ça faisait 8 km qu'on n'en avait pas eu. Pas besoin de relancer pour notre fille. Elle apprécie quand elle n'a pas besoin de relancer, s'arrêter, relancer, s'arrêter, relancer. Les enfants n'aiment pas, surtout quand ils sont petits en taille et qu'il faut redémarrer. Voilà. Ils ne sont pas forcément super dégourdis non plus, quoi. On arrive sur la rue Émile Zola, la bien nommée, hein, c'est une espèce d'autoroute urbaine, c'est exactement l'équivalent de cette fameuse rue de Pontoise là, qui grimpe sur les hauteurs de Beson-Argenteuil et qui redescend vers la Seine côté Sartrouville. Et puis cette traversée de la rue Émile Zola, elle est pénible parce qu'elle est en deux temps et c'est vraiment très très long. On y perd beaucoup de temps. On arrive sur les aménagements tout frais de la fin de l'hiver, là. Sur le début de la rue Maurice Berthaud, voilà, où ils ont reconçu un petit peu ces passages-là. Et puis ensuite, il n'y a plus d'aménagement. On passe en zone. On est en zone 30, là. Hein. Même il y a des quartiers contigus qui sont carrément en zone 20. Là, tu vois un panneau. Alors, est-ce qu'on n'est pas carrément en zone 20, justement? Il me semble bien. C'est une aire partagée. C'est ça. Voilà. Piéton, cycliste, automobile. Carrément en zone 20. Sur le début de cette rue Maurice Berthaud. Et puis ensuite, quand on va traverser. L'artère centrale de Beson, on repassera en zone 30 avec un contresens cyclable et des vélos peints dans notre sens à nous. J'essaye de pousser un peu ma poupette à avancer un peu plus vite. Elle n'était pas spécialement en fin de course, en fait, il en restait sur la pédale comme elle s'était bien économisée. Et puis je voulais qu'elle avance un peu parce que je sais pas si t'as remarqué, mais il y a quand même une automobiliste qui arrivait de la droite, donc qui avait la priorité, qui s'est arrêtée volontairement, qui nous a cédé son passage. Il nous a fait signe d'y aller. Après, c'est un peu gênant, tu te retrouves dans une situation avec ta petite poulette qui roule pas fort. Et puis elle qui patiente gentiment dans l'habitacle de sa voiture, pas de souci. À la limite, c'est plutôt sympa, j'ai quelqu'un de bienveillant derrière. C'est quelque chose que je note, hein, qui est important. On s'attendait pas à ça, on passe la 86, la grande couronne parisienne. On n'est pas en petite ceinture, on est loin, on est dans une région qui est très tout bagnole. Et finalement, on constate beaucoup de bienveillance, beaucoup plus de bienveillance de la part des automobilistes qu'on en avait à Paris même, qui est censé être plus civilisé finalement. Mais non, ici à Beson, là, quand on veut traverser, on se pose devant le passage piéton et les gens s'arrêtent pour nous laisser passer. ça casse complètement, ça explose le paradigme de 22 ans de vie parisienne. Où évidemment à Paris, tu peux crever, il y en a 27 qui vont passer des bagnoles avant que tu puisses. Faudra que tu attendes qu'il n'y en ait plus pour pouvoir traverser. Bon voilà, on est arrivé dans notre quartier. Ça grimpe un petit peu, mais elle n'est pas appréciée notre boulette. Oh non, elle n'est pas pressée. Elle profite. Elle se fait bronzer les petits bras. Et son grand frère qui nous attend d'un air désabusé, qui a envie d'envoyer. Ben non, c'était le chill attitude. Bon, ben ça se termine. Voilà, bon, c'est pas encore du vélo taf pour moi. Les petites nouvelles du front, je suis passé sur le billard cette semaine pour encore la même petite intervention pour réparer tout ça et accélérer un peu le processus de récupération de mon articulation. L'épaule gauche,
ça progresse, mais c'est infiniment lent, par moments décourageant, par moments démoralisant, mais bon, c'est la vie, et puis en soi c'est rien de grave. Et là mes gamins ils m'ont offert une après-midi super sympa, super agréable, avec une pointe à 22 km/h. Bon, je vais commencer à t'en produire d'autres plus souvent, hein, parce que j'ai un peu plus de matière maintenant, que je recommence à rouler avec deux bras. Un bon week-end, un petit bisou, et puis à bientôt. Salut.